I'm ready for the steel drum. Et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de Forza Horizon 3, découverte des trésors de grange. Donc j'ai eu pas mal de soucis de capture là pour l'épisode numéro 2. Du fait qu'en fait normalement ça devait être l'épisode numéro 3. La dernière partie de l'épisode numéro 3 d'ailleurs. Alors je sais pas ce qui se passe avec l'application Xbox, là, quand je fais enregistrer. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'ai l'impression que c'est quand je fais un retour Windows ou une petite madim en arrière-plan que ça déconne. Là j'espère que pour cet épisode là ça ira. Comme sur les roulettes. Donc on se retrouve toujours avec la petite Lancer Evo numéro 6 à travers la cambrousse de la forêt tropicale australienne. Et on va se diriger vers les deux trésors de grange du bas. Et on va faire les trois. Hein, on va terminer les trésors de grange. Bah, finalement, ça a été assez vite. Hein. Au final, j'en ai eu pourquoi pour 2 heures de temps. Ça fera 3 heures avec ce moment-là. Donc en allant au trésor de grange, comme d'habitude. Je vais découvrir les routes que j'ai pas encore découvert. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Donc voilà, la dernière fois on s'était arrêté ici. On avait découvert le fort de Boudy. Le petit. Pourquoi je dis à chaque fois petit? Le véhicule utilitaire, on va dire. Avec du bois. Donc de toute façon, je vous ferai toujours, comme j'ai dit, une petite vidéo avec tous les véhicules des trésors de grange. Restez histoire à de les montrer. À 400 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Oui, Anna, on va tourner à gauche. Je me perds. Hop. Des panneaux aussi, ça serait nickel. Vous avez atteint votre destination. Voilà, voilà, voilà. Attention, là je pense qu'il y a un petit panneau danger, on ne voit pas vu que je dois faire le dernier rassemblement. Il y a tous les points d'intérêt qui ont disparu de la map, ce qui est dans un certain sens pratique puisque je n'ai que les trésors de grange d'apparent et les panneaux. Comme ça je suis tranquille. Donc ensuite bon, on va prendre ce chemin là. Voilà. Non, ce chemin là. On prendra celui-ci, on ira là. Ah, j'ai pas mal de chemins à découvrir ici. Et ici également. Donc vous voyez que voilà, tout ce qui est partie forêt, je sais pas trop explorer. Pour l'instant, c'est la seule partie que j'ai pas encore. Découvert. Tournez à gauche. À 100 mètres, tournez à droite. En tout cas, c'est pas mal pour faire du rallye ici. Hein. Un petit chemin de terre. Après, il faut pas se faire parce qu'il y a pas mal d'arbres. La végétation est dense. Elle est dense. Vous avez atteint votre destination. Hop. On n'a pas besoin de GPS. On va juste aller prendre le chemin de terre à gauche. Hop. On explose toutes les barrières, on s'en fout. Voilà. Je vais même continuer le chemin. Bon, je vais manger l'arbre violemment. Là je me préoccupe pas de dégrange pour l'instant, je vais juste faire les chemins. Et après on verra ça. Donc là il y a un moyen que je... Je sais pas ce qu'il fait l'enregistrement de Xbox, il déconne de temps en temps là. Là il m'a enregistré une heure alors que ça fait que 10 minutes. Et bon je fais un toucher.
J'ai pas supprimé pour l'instant. On va voir ce que ça donne. Mon pote, si tu veux prendre des galons dans la société, Jaguar. Il y a une Jaguar MK de restauré qui t'attend. Alors, on va faire demi-tour. On va aller par là. Bon, pour l'instant, je me focalise pas sur les granges. Là. Je fais juste les routes. Après, si je tombe dessus, tant mieux. Ah bah tiens. Non. Oui, non. Déjà, il y a un panneau. De l'XP. 5000. Hop. Et après, on va couper. Panneau de voyage instantané, c'est nickel. Coup de découvert. Donc là, je suis déjà à 424. Donc au début de les découvertes de Orange, j'étais à 380 et quelques. Donc ça va plutôt vite. Bon, ça, en plus, c'est des petits chemins en fait. Des petites routes à découvrir. C'est pas trop compliqué, pas trop gênant. Alors, donc on va mettre un point là. Voilà aussi de temps en temps, hein, voir si. À 200 mètres, tournez à ça, droite. Ça, les poteaux là. Putain, y a qu'un arbre, faut que j'aille dessus quoi. Ça va pas, Maurice, ça va pas. À 100 mètres, tournez à droite. Allez, je tire le manche. Vous avez atteint votre destination. Voilà, ce chemin de terrain. Hop, nickel. Alors, encore ce chemin là-bas. Désolé, hein, je fais ça aussi en parallèle. Bon, moi ça vous montre un petit peu de route. Pour le véhicule, hein, vous êtes un petit peu habitué. Ça envoie du lourd. C'était beau là. Je préfère ça. Aux hypercars, moi personnellement, je m'amuse plus avec ça qu'une hypercar. Donc là, on a un lac. On a un lac. Moi, je cherche une grange. On va mettre un jump. Peut-être passer par là. Hop, 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 je m'arrête dans une bonne vue, bien dégagé. Je me demande s'il n'y aura pas une extension pour aller là-bas, là, au niveau des montagnes enneigées, parce que ça serait nickel. Un peu de neige, quoique je suis pas sûr qu'il y ait de la neige en Australie, mais bon, on sait jamais. Visiblement, il y a une montagne, donc... Voilà, déjà 428 routes de découverte. Ouais, on va couper. On va essayer de trouver cette branche au plus vite. Il n'y en a que 3, donc ça devrait aller assez rapidement. Et si j'ai un peu le temps, bah, je vais commencer à faire découvrir les véhicules. Hein. Hop. Alors, maintenant que j'ai découvert toutes les routes, la zone est assez large. Moi je dirais que on va commencer par. Ouais, par là. Faites demi-tour dès que non. Possible. On va faire demi-tour vu que par la terre c'est la plus. Nouveau calcul de l'itinéraire. À 200 mètres, tournez à gauche. La Ford Woody Super Deluxe est propre comme Woody, un œuf. C'est le dernier véhicule que j'ai voulu trouver. Donc là, il va falloir trouver cette petite grange. Pour qu'il restaure le véhicule assez vite. Ah, des bâtiments. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ça. Ouais. Alors, qu'est-ce donc?
pareil, toujours les petits freeze. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Et bizarrement, ça le fait que pour les trésors de grange. Les petits freeze. Alors, de chargement. Quelle sera la prochaine? Oh, une R33. Ça ressemble à une Skyline GTR. La non, une 32, ça. Dans les années 90, cette caisse a fait des ravages dans le championnat de voitures de tourisme. Une 32, ouais. Je sais pas, je confonds les voies à 33 et à 32. Ça, c'est une 32, ça. Je vais la ramener. Une Skyline. Ok. Pourquoi pas. Donc allez, on va mettre un point ici. Ok. Je vais plutôt mettre un point là. Alors. Ce chemin là. Ah, je vais me mettre au boulot. On va faire du tour. Faites ah, demi-tour un... dès que possible. On a eu un petit peu... un petit peu louché là. J'ai cru voir un panneau. Mais non. Un truc jaune. J'ai dû rêver. À 200 mètres, tournez à droite. Allez, on va attaquer le chemin de terre. Vous avez atteint votre destination. Pif paf pouf. Voilà, je suis découvert. Hop. Tour. Bon, ça va, j'ai peur. C'est bizarre, des fois, se casse, d'autres non. Non. J'allais dire que ça, c'est une grange, mais non, pas trop. J'ai pas trop la tête. Bon, je m'éloigne un peu là, mais tant qu'à faire, j'ai exploré aussi. Les routes que j'ai pas découvert. Ah, petit panneau d'XP. Hop. Un petit niveau. Pareil, petit bug. Ah, une BRZ. Ah, ah, une petite BRZ. Ça va là, je gagne pas mal de véhicules en fait. Dans le niveau spin. Hop, on va faire du tour. Hop, demi tour. Je vais me couper un peu. Un petit bâtiment que je prenais pour une grange. Hop. Aïe, on va se focaliser sur la grange quand même. Là, il y a pas mal d'arbres, hein. Quand même, c'est assez dense. Je pense que j'ai un peu galéré. Je continue juste la route ici, hop, d'un tour. Voilà, je vais continuer la route jusqu'au fond. Et ensuite, on sera bon. Panneau pour les voyages instantanés. Hop, voilà. Et maintenant, on va trouver cette petite grange. Waouh, l'équilibre.
là, il y a le petit fleuve. Hop. On va prendre cette route. Hein. On va pas trop s'aimer des routes pour l'instant. Quand même à droite et à gauche de temps en temps. De rassemblement vous attend. Je m'en fous. Voulez-vous que je calcule un itinéraire pour y aller? Bon, XP, hop. Où est-ce qu'elle peut être, cette petite grange? Où est-ce qu'elle peut être? C'est un peu dégagé. Je regarde autour. Même si j'ai encore des petits chemins à découvrir. Grange, est-ce qu'elle est... On va prendre de la hauteur. On va prendre un petit peu de hauteur, en apesanteur. Donc là on a des piliers. Vous savez quoi? Pas me faire suer. Je vais prendre le drone. Voilà. Vu que là il y a un paquet d'arbres, j'en ai pour là, je le boost, c'est vrai, un petit peu la nitro qu'on va explorer, hop, les alentours, et on va la trouver, cette grange. Je triche un peu, mais bon, faut dire que là, vu la densité de la jungle, je pense pas que je la trouverai de sitôt. Donc là je fais les extrémités comme d'hab. Hop. Donc là, ouais, il y a le silo qu'on a vu tout à l'heure avec le panneau. On va monter ici s'il veut bien. Ouais. Je regarde autour quand même. Ouais. Donc là on a le chemin. On est en pleine exploration. Hein. Je pourrais enlever le truc, mais bon. Je pourrais enlever le masquer interface, mais ça ferait un peu mieux, mais je ne ferai pas la zone avec la map. Mais c'est bien, parce que le drone, ouais, il y a moyen de faire des vidéos, des bonnes vidéos. Bon, là j'ai pratiquement fait tout le tour. Donc là on a le fleuve. Ouais.
dois avouer que celle-ci, comme grange, elle est bien planquée. Après, j'ai fait que les extrémités. Hop, on va aller un peu vite, un peu plus vite. Hop, 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 hop. Ah, voilà, voilà. Ouais, t'es en plein milieu. En plein milieu, elle était bien planquée. Hop, allez, on va s'y rendre. Je suis désolé, hein, mais bon, hein, j'ai pas envie de passer non plus une demi-heure à trouver la grange. Là, franchement, là, j'aurais tourné autour, je l'aurais pas trouvé avant un moment. Alors, qu'est-ce que donc? Qu'est-ce que donc comme voiture? Oula, ah non, c'est les petits bugs de l'immosité. Celle-ci dans elle va être génial, je le sens. Aha, un break. Nous voilà en présence d'un mythe, la Holden Sandman. Tu vois cette peinture délavée? C'est la livrée Sea Witch. Rien à voir avec une peinture perso. Holden l'a proposée telle quelle dans son catalogue. Ouais. J'ai du mal à me rendre compte là, avec la rouille. Et voilà, et on va se diriger vers le tout dernier trésor de grange. Donc on va mettre un point là. Ça, c'est une des rares routes que j'ai pas découvert. Je regarde s'il n'y a pas des chemins de terre. Ouais, là, j'ai pas non plus m'aventurer ici. Quoique, ouais, je vais mettre un point là. Hop. Faire chemin, ce chemin de terre. Je retourne au garage. On va s'y rendre. Dès que j'ai terminé de la restaurer, ok? À 100 mètres, tournez à droite. Ok, ok. Ouais, je viens. J'ai quand même pas mal garé pour cette grange-là. Mais bon, la récompense est pas mal quand même. Le petit break là, il va être pas mal. Je le sens. Plutôt que de prendre une RS4 ou une RS6. Je pense qu'avec le petit Holden, ça risque d'être amusant aussi. Tournez à droite. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Hop, hop, hop. Chemin de terre. Vous avez atteint votre destination. Est-ce qu'il n'y aurait pas des panales? Un petit panal. Ouais, panneau, j'ai dit, pas un rocher, hein. Tranquille, tranquille. Pas des panneaux là. Non. Regarde un peu de temps en temps. Ah, panneau 2. Un panneau bleu. Non, oui, non. Sans avoir mis un panneau. Non. Donc là, on va arriver au niveau de la cascade. On passe derrière la cascade. Chute. Chute, 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 trop devant. Bah, nickel, bon, ça. C'est mon dernier point en plus. Des petits coins de paradis comme celui-ci. Je prends pittoresque. Ça va me faire un succès normalement. Ah non, 11 sur 13. Excusez-moi, j'ai cru que c'était 13 sur 13. Hop. Attention, attention. Alors oui, j'ai pas changé de véhicule. Hein. Car toujours la petite lanceur. Elle est utile quand même. Allez, un petit niveau. Encore une Ferrari. Ouais, bah 2000 crédits. Hein, 4000. Je vais pas aller bien loin avec ça. Et après, le nombre de véhicules que j'ai gagné, ça me semble un peu légitime de me retrouver avec un tirage un petit peu merdique. Vous
par là. Ça, je découvre en même temps les chemins. Parce que je pense pas passer par ici assez souvent. Je me sers bien de petit frein à main là. Enfin les petites 180. Petit demi-tour. C'est bien utile. Pas tous les véhicules avec on peut faire. Je vais y arriver. Je vais pas y arriver avec tous les véhicules. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc on arrive là. Ensuite, hop, on va prendre cette route. Elle est à 440. Et une Skyline GTR V-Spec, mon pote. Skyline. Prête à prendre la route quand tu veux. Eh bien, c'est cool. Comme ça, j'aurais fait tous les trésors de grange aujourd'hui. À 400 mètres, tournez à droite. Ce que je voulais les faire, mais j'attendais l'occasion de le faire en vidéo. Parce que déjà, j'ai fait pas mal de choses. À 200 mètres, tournez à gauche. Parce que bon, la découverte en soi, je pense pas que c'était très intéressant à filmer hein, parce que c'est la démo sur Xbox One. C'est le tutoriel en fait, hein, c'est la course de la démo, les 4 véhicules du début, vous les connaissez hein, je pense. Hein. De mémoire, je crois qu'il y avait la M4, la Ford Mustang. La Ford Mustang Shelby 350R. Il y avait aussi un UTE là, un pick-up et la Silvia S14. Voilà, donc on a atteint la route. Donc maintenant, il faut trouver la dernière grange. Et j'ai l'impression que ça va être assez simple ici. Pas pourquoi, mais je sens que ça va être assez simple. Je sens que je vais pas trop galérer pour retrouver. Déjà là, il y a une limitation. On voit. Chemin. Limitation avec des cailloux. Ce qui veut dire qu'on peut pas passer par là. Hop. Pareil, une délimitation ici. On sait dire que la zone est assez réduite quand même. Aïe. Ah, j'ai pas remarqué, mais j'ai perdu mon aileron aussi. L'aileron arrière qui est parti. Je ne sais où. La Daytona chargeur de 1969 est prête à prendre la route. Ça fait un moment, celle-là. Je l'ai découvert. Un moment que j'ai découvert celle-ci. Je crois que c'était lors de deuxième épisode entre guillemets. Celui qui a planté. Alors cette grange, où est-ce qu'elle peut bien être? Très attends, c'est cet arbre. Ouais. Là j'ai un chemin que j'ai pas découvert. Mais bon, ça je le ferai après plutôt. Hein. Quoique. Ouais non, je le ferai après. Pour aller me rendre au rassemblement. Alors, où est-ce qu'elle peut bien naître cette petite grange? Cette grange. Bon, déjà, elle est pas sur le côté droit. J'ai pas du tout exploré ici. Ouais, elle est pas ici. Je vérifie quand même. Non, elle est pas là. Bon. Partir sur le côté gauche et bingo,
Et donc ce numéro 15, ce véhicule numéro 15 sera... Et quelle surprise se cache derrière la porte numéro 1 ? Le Maserati. Je n'arrive même pas à voir là-dessous. C'est... Non, impossible. On dirait l'une des Maserati les plus rares et les plus chères jamais produites. Et pour couronner le tout, elle sert d'étagère. Mon pote, Pininfarina. OK. Moi, m'occuper de sa restauration au garage, tu veux bien ? Bon, on va s'arrêter là quand même, ça fait 25 minutes plus 5 minutes que j'ai un peu peur que ça s'est planté. Bref, on va s'arrêter là. Je ferai une vidéo complète avec tous les véhicules de range. J'essaierai de faire ça assez condensé pour que ça dure un épisode. Moi je vais vous dire à la prochaine, c'était Diablo, salut.